Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je n'avais pas d'idée de vidéo tout simplement. Et donc j'ai trouvé sur internet une idée, c'est de faire le top 5 des tweets les plus drôles. Si vous voulez que je fasse plusieurs parties, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on va se retrouver après l'introduction et c'est parti. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow. Alors, je vais me décaler car je vais mettre les captures d'écran juste là. Le premier tweet c'est: il est 18h, on est qu'au fromage, j'ai l'impression qu'il y a une faille spatio-temporelle comme interstellaire. Ça va attaquer la bûche vers 22h, quand je vais ressortir j'aurai 32 ans, Jules sera président de la République. Alors, ce tweet date du 25 décembre 2017, oui parce que j'ai pas trouvé les tweets de 2018 parce que je voulais faire le top 5 des tweets les plus drôles de 2018, sauf que en fait 2018 n'est toujours pas terminé, donc du coup j'ai décidé de faire les meilleurs tweets pardon, de 2017. Concernant ce tweet, je pense que la personne s'est bien creusé la tête pour trouver cette idée de ce tweet qui est très très drôle. On passe au deuxième. Et dire que pendant que vous émergez, les LinkedIn se sont levés depuis 6 heures, ont bu 2 citrons pressés et fait 20 km de running. Alors, j'ai eu du mal à lire ce mot, LinkedIn. Oh là là. En fait, c'est pour ceux qui sont sur LinkedIn. C'est une application pour trouver du travail. Et en fait, j'aimerais bien rigoler, mais je n'ai pas compris. Ah, ok, d'accord, je viens de comprendre. En fait, c'est pendant que nous, on émerge, il y a des personnes qui travaillent qui se sont levées depuis 6 heures et qui ont bu leur jus d'orange, machin et tout, et qu'ils ont déjà fait 20 km de course à pied. Voilà. On passe au troisième. Comment vous la trouvez... Non, comment vous la trouvez la dinde? La personne a répondu morte. Pour l'ambiance, la cousine vegan remplace l'oncle raciste. Ce tweet date du 25 décembre 2017 également. Et ça vient de l'indéprimeuse. Et apparemment, le compte est certifié sur Twitter. Donc, ça doit être une personnalité connue. Que puis-je répondre à ce tweet? C'est qu'en fait, je pense que la cousine va être contente de savoir qu'elle va manger une dinde, sachant qu'elle est vegan. Et remplace donc le raciste. Par contre, la dernière phrase, je n'ai pas compris. Donc, si vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au quatrième et avant-dernier temps, c'est repas de Noël entre crochets. Et c'est marqué, c'est quoi comme champignon, sa maman, des cèpes, des morilles. Et la mère a répondu, je ne sais plus, dis-leur bonjour. S'ils te répondent pas, c'est des champignons de Paris. Putain. Eh, mais il y en a qui vont hyper loin, en fait, hein, pour trouver leurs idées au niveau des tweets. Et... c'est vrai qu'en fait, je viens de comprendre, c'est qu'en fait, les Parisiens, je ne traite pas les Parisiens, si vous passez par là, je ne vous traite pas, mais en fait, du moment que tu dis bonjour à Parisien, il te met un de ces vents de malade quand tu leur dis bonjour, et voilà. Bref, on passe au dernier tweet, c'est de Babor, oulala, vous verrez la personne qui a mis ça. Je me demande si Hitler, il avait un tonton qu'il trouvait raciste. Imagine le type lol. Ouais, c'est sûr. Parce que s'il avait un tonton qu'il trouvait raciste, sachant qu'il l'était lui-même, je pense que le type serait très 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 mal barré. Donc voilà pour le top 5 des tweets les plus drôles de 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2, voire une partie 3, 4, 5, ce que vous voulez. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et soyez 100% vous-même. Bisous. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow.